Rated M for mature. Vous avez triste mine. Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants. Je pense que cela excuse mon manque de prestance. N'y voyez aucun manque de respect, Mentor. Seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arno. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de Delasseur? Le roi des mendiants est mort. Il avait ceci sur lui. Repose en paix. Tu devrais le garder. Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois-en digne. Merci. J'essaierai. Et ta mission? Le roi des mendiants et Sivert n'étaient que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer Monsieur Delasseur. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement. Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer Monsieur Delasseur. Une épingle, fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voie est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre, découvre quel est son rôle. Hé, Arno. Bien, citoyen. Ma foi, il est impressionnant. Quel mal à prix.
Je n'ai pas ma gueule. De mes affinités. Tout au moins le goût de la sauce. Pas toujours bonne manière. Arno. Comment va mon ami ? Eh bien, voilà qui est pour le moins suspect. Ça fait 3 semaines que je suis là, et je... Monsieur Germain, l'orfèvre? Dieu merci. Ils me retiennent depuis des mois. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. Règle ceci. Si. Cela attendra. Je vous dirai tout lorsque vous partirez. Avant le retour des gardes. Bien. Non! Il surveille l'entrée, c'est certain. Nous allons devoir descendre et traverser. En route. Comme vous voudrez. Ne bougez pas. Attendez ici. Hein? Mais qu'est-ce que...
au moins. Suivez-moi. Très bien. Croyez-moi. Attendez. Suivez-moi. Oui. Gardez un œil sur quelqu'un. Je poste sous les sentinelles. Êtes-vous un prisonnier si important? Bonjour, bonne journée, Arno. Germain, changement de plan. On va payer, je suis là. Que veux-tu que je coupe en premier? Allons, laissons parler la raison. Relâchez l'orfèvre. Recule. Seigneur Dieu. Qu'ai-je fait? Ce qu'il fallait faire. Venez, il faut partir. Oui, bien sûr.
C'est drôle. Bonjour, soyez le bien. Le diable ? Merci, mon ami. Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je ? J'ai fabriqué la première il y a des années, une commande spéciale, d'un dénommé Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière, et alors, j'ai découvert des choses incroyables. C'est un Templier. C'est cela que vous avez découvert ? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence, et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut, surtout des armes. Où puis-je le trouver ? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu, je l'ai entendu parler de protéger les marchandises à la halle au blé. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui ? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée. Quoi, que dites-vous ? À nous deux, Lafrenière. Où est-ce que tu te caches ? Thank you.
énergie pour vos ennemis.
Quoi qu'il prépare, il a prévu grand. Et maintenant, je sais où te trouver, grand maître. Il me semble bien dangereux de laisser traîner ses armes. Nom de Dieu ! Les réserves de poudre, elles vont sauter ! Mais bien sûr, pourquoi rien n'est jamais simple ? Davantage. Cache-toi au cœur de la foule. Bon. Je viens de mourir. Les renforts arriveront avant la venue du maître. Nous posterons des tireurs sur les toits. Toutes les instructions sont là. Au travail. On devrait les accompagner? Les gardes du corps du maître? Ils sauront se débrouiller. Il doit avoir raison.
Je ferais bien de trouver un endroit où attendre avant que les autres n'arrivent. Que se passe-t-il ? Les gardiens ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre. Ils se cachent dans des catacombes. Et on envoie les gardes du corps du maître pour les retrouver ? Ça semble excessif. Ces chiens ne cessent pas faire. Ils sont bien rangés. Mieux vaudrait qu'ils soient morts avant l'arrivée du maître. Ils ne doivent courir aucun risque. Ceci indique précisément où se trouvera la frenière à chaque étape. Il n'aurait pas pu me rendre la tâche plus facile. Cette fois, je te tiens. Hé, hey Arno. Comment vas-tu, mon ami? Bonjour, mon ami. Tu arrives à point nommé. Je vais rassembler les autres et nous tiendrons cette position pour couvrir ta fuite si besoin est. J'espère qu'il n'est pas sujet au but. Mes marchandises. J'aime quand ma cible fait tout le travail. La vérité est en danger, mes frères. On l'assaille de toutes parts.
Les Jacobins l'ont attaché au chevalet pour la soumettre à leur vindicte démagogique. Le feu prophète s'adresse au peuple en mettant liberté, égalité, fraternité au sein même de notre... Le feu prophète veut que nous l'abandonnions pour nous jeter dans les bras de nos ennemis. Et depuis toujours, les assassins rôdent dans l'ombre à l'affût du moindre signe de faiblesse. Nos ennemis pensent que nous privilégions le pouvoir en nous privant d'armes. Il en faudra bien plus pour dissuader les amis de la liberté. Union, force, vertu. Tenez-vous prêts, mes frères. Ce soir, la vérité est de notre côté. Alors, Arno, tout va bien ? Comment vas-tu, mon ami ? Ah, hey, mon ami. Arno, bonjour. Thank you.
toi, mon frère. Sois le bienvenu. Vous ne lui faites pas confiance, n'est-ce pas? Mirabeau est un homme bon, un homme honnête. Mirabeau est un ivrogne, imbu de sa personne. Tu ferais mieux de ne pas oublier qui est le grand maître, la Lafrenière. Porte immédiatement ceci au grand maître de la serre. Remets-le-lui en main propre. Oui, maître. Maître, nous avons un problème. Christophe a transmis des informations à nos ennemis. Nous devons partir du principe qu'ils connaissent ce lieu. Il va falloir devancer nos plans. Préviens les hommes. Nous attaquerons l'hôtel de Beauvais ce soir. Tu as l'air de plutôt bien tenir le coup. J'aimerais t'aider un peu. On a fait une découverte majeure. Nos analyses approfondies des données ont révélé que le sage qu'on recherche était un grand maître des Templiers. L'homme que traque Arno. Malheureusement, c'est tout ce qu'on sait. Ça y est, tout a été mis à jour. Fais-en bon usage. On te recontactera.
quoi, ma question ? Si je voulais. De me tromper, tu as compris? Seigneur, as-tu excusez-moi d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Un excellent moyen d'éviter la Madame Gouze et Monsieur Grisier. De tous côtés, on entend. Ma parole. Quoi ? 400 nobles en armes honorés ? Sans la présence du général Lafayette ? Assez ! Tu viens cesser tes jérémiades ! Tu ne fais que parler sans agir ! Mais voilà un homme porteur de bonnes nouvelles. Arno, qu'as-tu appris de l'orfèvre ? Du poison. Quelle vermine. Germain a fabriqué cette épingle, ainsi que d'autres, pour un dénommé Lafrenière. En es-tu sûr ? Certain. Le grand maître de la serre le tenait en haute estime. Fort bien. Ta mission est claire, Arnaud. Trouve Monsieur Lafrenière. C'est déjà fait, monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Qu'est-ce que tu viens de dire, merdeux ? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi,
et je l'ai tué. C'est un mais bon sang, qu'est-ce qui t'a fait? Où tu défier le gars? La prochaine fois que tu pars foutre du conseil, je ferai de toi une unique. Ce conseil admire ton zèle, mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de Monsieur de la Serre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves, suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Pensez ? Suggérant ? Je ne suis plus sûr des motivations de Lafrenière. Dans ses souvenirs, je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti Monsieur de la Serre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du Marais et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions ? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant. Mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance. Confions cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse. Quoique Lafrenière ait préparé, cela se produira ce soir. Cette fois, il a demandé la permission, Guillaume. Ah ! Alors va, vois ce que tu peux apprendre. Mais pas d'autre imprudence. Hmm ? Oui, mentor. Thank you.